La professoressa Andreu, che non ha bisogno di presentazioni, ma perché dico a casa sua? Perché per 8 anni è stata nel comitato scientifico del Museo Egizio e ci ha accompagnato soprattutto in quel periodo difficile e vitale per il Museo Egizio, che è stato il percorso che ci ha riaccompagnato alla riapertura il 31 marzo 2015, dandoci importanti suggerimenti e indicazioni. E peraltro Guilmette è anche presente nella nostra videoguida, quindi chi visita il museo e visita le sale di Deir el-Medina può sentire dalla sua viva voce il suo parere su questo villaggio. Proprio del villaggio o di una parte della cultura materiale importante che proviene dal villaggio ci parlerà stasera. Non so quanti di voi abbiano avuto la fortuna di vedere la bellissima mostra che era stata, che fu fatta nel 2013 a Parigi e a Bruxelles, che fu dedicata all'arte del disegno. In quell'occasione fu fatto uno studio completo del materiale iconografico che vi era rappresentato, cercando di arrivare a nuove interpretazioni, e proprio di questo ci parlerà Guilmette stasera, presentandoci anche degli ostraca del nostro museo. Mi piace anche ricordare, perché di questo stiamo molto parlando, del lavoro importantissimo di conservazione che fu fatto. Io mi ricordo di aver rivisto gli ostraca nella mostra a Bruxelles e di essere stato stupito dalla limpidezza e nitidezza del disegno e dalla lucentezza del calcare, che era stato ripulito e permetteva di vedere così dettagli. È un argomento di cui stiamo disquisendo assieme, perché al Museo Egizio piacerebbe seguire la stessa strada e ripulire anche i nostri ostraca, seguendo il lavoro magistrale che ha fatto al Louvre. La professoressa è ancora direttrice onoraria del Dipartimento del Louvre, che ha diretto dal 2007 al 2014, è attiva in una serie di progetti espositivi, con uno dei quali anche collaboreremo a Marsiglia e parleremo poi, ne parleremo più in dettaglio domani, ma adesso non le rubo altro tempo e lascio la parola a lei. Grazie ancora per essere presenti. Mille grazie, caro Christian, per queste parole così gentili. Spero di essere all'altezza di questi complimenti. Vorrei anche ringraziarti per avermi invitata a tenere questa conferenza al Museo Egizio, che raccoglie collezioni con le quali, nel campo dell'egittologia, intrattengo una relazione molto particolare e da così lungo tempo. Il Museo Egizio è un paradiso e la sua presentazione, grazie a Christian e alla sua scuola, è la cornice perfetta, per questo tesoro. Mi piace molto parlare italiano, ma non lo parlo tanto bene. Per questo vorrete scusarmi se preferisco ora tenere la mia conferenza in francese. Scusi. Mais, but for English speaking, and all my slides, or more or less all my slides, are of English legends. So I hope that French speaking and English speaking will understand me. Well, I could speak English, but I am in the Piedmont, and I have never spoken English for lecture. I'll do that later at the workshop, but now I would like to speak French, because Schiaparelli spoke French. So, oh, français. Alors, j'ai effectivement le projet de, comme vous l'a très bien expliqué Christian, de vous parler du dessin égyptien et de la façon dont on l'appréhende, aussi bien sur le plan technique, technologique et artistique, à partir des ostracas figurés, imagés, qui proviennent du site de Deir el-Medina.
Alors, en introduction, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller en Égypte ou qui auront plaisir à se souvenir de ce site tout à fait unique, je vous montre quelques images du site. Ici, c'est quand on se réveille le matin, il est très tôt, les ballons commencent à s'envoler dans le ciel, il est 6 heures du matin. Et je vous rappelle aussi qu'il s'agit d'un site qui se situe ici et qui se trouve non loin de la vallée des Rois, qui est de l'autre côté de la montagne qui est ici, qui est ce que nous appelons la montagne Thébaine. Beaucoup, d'abord ici, tout le monde connaît Deir el-Médina à cause des collections, mais j'ai regardé sur le site du musée, j'ai vu que beaucoup de nos collègues tout à fait éminents étaient déjà venus vous parler Deir el-Médina, donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous faire un cours sur l'archéologie à Deir el-Médina, mais simplement je vous rappelle le paysage pour vous montrer à quel point c'est un site tout à fait particulier et même unique. Voici cette vue aérienne qui montre Christian a parlé de villaggio. Les Français parlent aussi de village, mais moi je n'aime pas du tout parler d'un village. Je préfère parler, comme les Anglais, d'un settlement. C'est-à-dire, en français, ce n'est pas très élégant, mais c'est une agglomération. Et je suis tout à fait convaincue que ça n'est pas un village, parce que je ne vois pas comment on peut appeler un village un endroit où il n'y a pas d'eau. Pour moi, c'est incompatible du point de vue sémantique. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas un settlement, une agglomération où, avec des habitats, avec des pièces, avec des maisons. Mais c'est compliqué de parler d'un village parce qu'il manque beaucoup, beaucoup de choses. Il manque la végétation et il manque les cultures et il manque l'eau. Donc, ça n'est pas si simple de parler d'un village. En tout cas, c'est un lieu, un peu comme un campement, où on habitait pendant tout le Nouvel Empire, on va dire, avec quelques gaps, pendant 4 siècles et demi, les artisans, les ouvriers et les artistes qui décoraient les tombes royales de la vallée des rois et de la vallée des reines. Alors ce village, ce settlement, a abrité une 60aine de maisons sous les Ramsès, et on voit aussi, ce qui est tout à fait formidable, c'est que non loin, tout à côté des habitats, on voit les tombes de certains des propriétaires des maisons. Ici, il faut bien voir que ce site a été fouillé par les Italiens, par les Allemands, très peu, et puis ensuite par les Français depuis plus d'un siècle. Et toutes ces terrasses ont été aménagées par le fouilleur Bernard Bruyère. Ce ne sont pas des, il ne faut pas se tromper. La nécropole ne ressemblait pas à ça dans l'Antiquité. C'est juste l'archéologue Bernard Bruyère qui a aménagé en gradins la nécropole pour la rendre plus facilement accessible et finalement pour faire plus propre. Alors voici une autre vue où on voit quand même assez bien à quel point la vallée du Nil, le Nil est là, la zone cultivée est là, et on aperçoit l'enceinte du temple funéraire de Ramsès III, Medinet Habu. Et voilà la rue du village, du settlement, qu'il faut imaginer, évidemment, avec des murs. Enfin, on voit mieux le village comme ça. Il faut bien voir qu'on ne peut plus rentrer, on ne peut plus visiter le village. Donc, c'est toujours un peu frustrant, finalement. Les guides archéologiques vous disent « Ah, mais vous allez visiter un village et vous allez rentrer dans une cité ». Mais on n'empêche qu'on ne peut plus, le service d'antiquité d'Égypte, pour protéger les vestiges, n'autorise plus la visite aux touristes. Alors, on sait que les familles de Deir el-Médina étaient très nombreuses. On en a énormément d'attestations, de témoignages, mais en particulier, là, c'est un des caveaux d'un personnage qui a vécu sous Ramsès II, Neben Maat, et c'est une partie de sa descendance ou de ses cousins ou de sa famille. Et vous voyez, il y a des garçons et il y a des filles. Son fils, Amenart, a un caveau tout proche. Celui-ci est polychrome. Et vous voyez aussi que quand les hommes de la communauté rentraient
On peut parler de cité, en fait, un peu comme d'une cité ouvrière, comme on en parle dans le nord de la France, autour d'une mine ou autour d'un site d'extraction. Je pense que le mot cité va peut-être mieux que village, en tout cas. Bref, tout ça pour vous dire que ces hommes dédiaient une partie des temps de leurs loisirs au creusement et à la décoration de leur propre tombe. Alors, nous revenons maintenant à ce qui nous rapproche aujourd'hui, c'est-à-dire le musée égyptien de Turin et le musée du Louvre, puisqu'ils ont beaucoup de collections qui ont à se parler, et en particulier autour de Deir el-Médina. Alors, les raisons de ces rapprochements, de ces collections un peu jumelles, on peut dire, sont triples, en fait. Premièrement, c'est évidemment les collections réunies par le consul Bernardino Trovetti, qui a vendu sa première collection pour le musée de Turin, pour le musée du Piémont, en 1824, 2 ans après le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Puis, deuxième collection de Trovetti, qui arrive sur le marché de l'art en Europe, et c'est Paris qui l'achète. Ce qui fait que nous avons des œuvres assez jumelles, sauf que Turin a 3 statuettes tout à fait extraordinaires de la reine Armès Néfertari, qui a joué un rôle important dans le Panthéon et dans tous les témoignages que l'on peut avoir de piété personnelle à Deir el-Médina, mais notre statuette est aussi très jolie. Enfin, deuxième et troisième bonne raison d'avoir des collections majeures qui proviennent du site de Deir el-Médina, ce sont les fouilles. Et vous avez vu, il vient de se terminer cette magnifique exposition organisée ici, qui s'appelait Missione Inedito, je crois, qui racontait les exploits et les explorations magnifiques et spectaculaire de Schiaparelli, entre autres à Deir el-Médina. Et comme vous voyez, vous savez, vous avez la Cappella di Maya et la tombe de Ka, tout le mobilier qui sont dans vos collections, ce qui est quand même à mettre au crédit des travaux de Schiaparelli. Un peu plus tard est arrivé sur le site un Français pour le compte de l'Institut français d'archéologie orientale, et c'est Bernard Bruyère qui a consacré presque 50 ans de sa vie à l'exploration quasi totale du site. Du coup, grâce aux collections de Trovetti et aux fouilles de Schiaparelli et de Bruyère, les deux musées se sont considérablement enrichis d'œuvres majeures ou mineures provenant de Deir el-Médina, parmi lesquelles se trouvent de nombreux ostracas en calcaire. Alors là, ce sont nos stars, Ramsès VI à Paris, et votre danseuse tellement extraordinaire, je ne sais plus comment vous l'appelez, si elle est acrobate ou danseuse, enfin c'est extraordinaire. D'ailleurs, vous ne la prêtez jamais. Je ne l'ai jamais eue. J'ai fait 2 expositions à Paris où j'aurais voulu la voir, mais j'ai très bien compris qu'elle reste chez vous. Alors effectivement, comme Christian vous l'a raconté tout à l'heure, j'ai proposé au musée du Louvre en 2013, enfin c'était plutôt en 2008, mais le temps de l'affaire, c'était en 2013, j'ai exposé un sujet d'exposition qui s'appelait « L'art du contour, le dessin dans l'Égypte ancienne », qui avait vocation à montrer ce que l'on pouvait déceler comme qualité artistique, esthétique et technique sur les dessins, disons sur les tracés plus exactement, des Égyptiens anciens. Alors il ne s'agissait pas que de Deir el-Médina, j'avais des dessins sur des poteries préhistoriques et ça allait jusqu'à l'époque copte. Mais le fait est que les ostracas figurés de Deir el-Médina étaient particulièrement pertinents et instructifs sur le tracé d'un dessin par un Égyptien sous les pharaons. D'où, effectivement, là, Christian a bien compris l'affaire, ça nous a amené à faire une campagne systématique de restauration et de nettoyage des ostracas inscrits et figurés en calcaire. Alors un ostracon, c'est un mot grec, ostracon, le pluriel c'est ostraca, comme vous savez sans doute tous le latin, templum c'est le singulier, templa c'est le pluriel, c'est pareil
en grec, quand il s'agit d'un mot neutre, le pluriel est en A. Donc les ostracas de calcaire, ce sont ces esquisses, ce sont des, ces esquilles plus exactement, ces éclats en pierre calcaire qui ont servi de support, soit pour un texte inscrit en général en hiératique, soit pour un dessin. Et on les trouve principalement dans la nécropole thébaine et beaucoup à Deir el-Médina. Alors c'est vrai que le musée du Louvre, parce qu'il a eu de l'argent pour refaire les salles, lorsqu'il a refait ses salles dans le cadre du Grand Louvre, a dépensé finalement beaucoup d'argent pour restaurer, pour nettoyer les œuvres que nous exposions dans les salles. Simplement, il y avait un certain nombre d'objets qui n'étaient pas exposés dans les salles et qu'il a fallu nettoyer pour l'occasion de l'art du contour. Alors, c'est tout à fait spectaculaire et très intéressant. Voilà un certain nombre d'ostracas qui étaient sur la table des restaurateurs, ou plutôt des restauratrices, car il ne s'agissait que de dames. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de restauration pour vous montrer à quel point ça vaut la peine. Donc là, vous en voyez un inscrit en cours de restauration. Celui-ci, c'est encore plus spectaculaire parce que, honnêtement, sur la face totalement encrassée et terreuse de l'ostracone, on n'arrivait pas à lire grand-chose. Et c'est vrai qu'ensuite, la lecture et le déchiffrement de ces textes a été très facilité. Il faut savoir qu'on considère qu'on a réussi à mettre en œuvre un protocole finalement de restauration des ostracas et que par exemple notre collègue Luc Delvaux à Bruxelles, qui dirige la section égyptienne au musée du cinquantenaire, il nous a envoyé sa restauratrice au Louvre pour qu'elle travaille avec les restauratrices du Louvre et qu'elle finalement, ça n'est pas si compliqué que ça, mais c'était bien qu'elle se fasse une formation auprès de nos restaurateurs pour nettoyer les ostracas de Bruxelles qui maintenant sont magnifiques. Alors voici, par exemple, celui-ci est extrêmement célèbre, mais il n'empêche que sa restauration lui a rendu quand même une visibilité et on a retrouvé des détails dans les couleurs des pelages qui étaient tout à fait précieux. Même chose pour cette ostracone, voilà, c'est... Par exemple, on a bien retrouvé toute la coiffure de l'enfant. On ne voyait pas du tout ça avant, et là, on l'a très bien vu. Or, cette ostracone, dans sa version que l'on voit à gauche, a été publiée maintes fois dans cet état d'encrassement. Même chose pour cette ostracone sur laquelle nous reviendrons. Donc, tout ce travail a été fait sous ma direction par en anglais on dit conservateur et en français on dit restauratrice et en italien on dit restauratrice. Oui, voilà. Donc je suis comprise par ceux qui ne comprennent pas bien le français mais qui le comprennent quand même, par deux restauratrices que vous voyez ici qui sont Christine Parézel et Sophie Duberson. Sophie Duberson, elle est restauratrice au département égyptien, donc elle est là en permanence, mais elle fait surtout les pierres. Christine Parézel est une restauratrice indépendante qui a fait pas mal de chantiers de fouilles en France et puis en Oman et puis en Afghanistan autrefois. Et c'est Christine Parézel qui, en nettoyant ses ostracas, parce que nous faisions aussi le revers, pas seulement la face décorée, d'abord quelquefois ils sont biface, mais en tout cas les deux faces importées, d'autant plus que nous avons bien compris que même la présence de poussière peut être un facteur de dégradation de la pierre grave. Donc il fallait vraiment nettoyer le recto et le verso. Donc Christine s'est rendue compte que finalement, à l'arrière comme à l'avant, il y avait quand même ce qu'elle considérait comme des traces d'outils. Alors on a fait appel à Jacques Pellegrin, ici, qui est un spécialiste de la technologie lithique en préhistoire et qui est venu, qui s'est tout à fait prêté au jeu. On ne pouvait plus le décoller de notre salle où il y avait les ostracas, tellement il était passionné. Et Jacques, lui, qui sait déceler ces traces de débitage ou d'outillage, nous a confirmé ce que Christine avait vu. Donc ce travail a été l'occasion d'étudier sur le plan matériel, technologique et artistique ces petites pièces qui sont souvent considérées comme anecdotiques. Donc,
La question est, moi-même, je reconnais que quand j'ai fait l'exposition, y compris au Palazzo Brichiarassio ici, j'ai dû écrire une erreur. Enfin, on est là pour avancer. J'ai écrit que les ostracas, il suffisait de se baisser pour ramasser des éclats de calcaire, puisque la montagne d'Ébène est en calcaire, et pour récupérer ces cailloux, ces morceaux de pierre, pour en faire des supports à des écrits ou à des figures. Donc, on s'est posé la question. Jacques Pellegrin a considéré que pour... j'aime bien être régulièrement provocatrice, donc là je l'étais carrément, puisque le seul moyen de déceler des traces d'outils et de débitage sur les ostracas était de neutraliser complètement les inscriptions et les dessins. Donc il a fallu faire... avec le laboratoire d'imagerie du C2RMF, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, qui est un... je veux dire, on a beaucoup de chance au Louvre, parce que c'est dans le palais du Louvre, il faut traverser les Tuileries, et on arrive dans ce laboratoire avec quand même des outils technologiques magnifiques et des équipes qui travaillent sur les collections des Musées de France, donc qui aussi sont là pour servir nos projets et nous aider. Donc on a pu faire des observations, d'abord en faisant une numérisation 3D, de 10 ostracas, cette numérisation étant destinée à neutraliser leur texte ou le décor. Ainsi, et pour les 40 ostracas autres que nous avons étudiés, ils ont été seulement étudiés à l'œil nu ou à la binoculaire. Et cette numérisation et cette étude des ostracas à l'œil nu ou à la binoculaire des 40 autres ont révélé des stigmates de taille, des aménagements et des traces d'outils et ont permis des conclusions statistiques. On s'était dit qu'en principe, des statistiques, il faut quand même qu'il y ait un minimum de pièces pour arriver à un pourcentage. Pourcentage, ça veut dire pourcent, donc 100, on n'a pas pu le faire, mais on a fait des statistiques sur 50 pièces. Alors, exemple, vous voyez cet ostracone. Alors, vous imaginez mes collègues hiératisants ou spécialistes de l'art égyptien, quand je le montre, j'étais très, très, très provocatrice. J'ai été à un colloque où je n'ai montré que des ostracas numérisés. Donc, ils étaient un peu choqués, mais finalement, c'était un peu pour leur montrer qu'il fallait regarder toutes les pièces sous toutes les coutures et de toutes les manières. Donc, celui-ci, par exemple, on a donc compris qu'il y avait deux types de fractures, la fracture en split étant la plus courante. La fracture en split, ça veut dire qu'il y a forcément un talon ici, et à partir de ce talon qui est aplani, il y a un impact de l'outil de débitage que vous reconnaissez très bien sur cette face qui est neutralisée, on va dire. Même chose sur celui-ci, là on voit bien. On prend l'habitude, alors maintenant, si vous regardez vos ostracas, il faut bien les regarder sous toutes les faces, parce que c'est quand même intéressant de savoir s'ils sont naturels ou s'ils sont débités. Il y en a quelques-uns qui sont naturels. Donc, talon plat et trace d'impact, ici. Là, sur ce petit ostracone, qui est sans doute une tête d'Amenhotep Ier, là, vous retrouvez, alors c'est ici, le talon et l'impact. Celui-ci est inscrit, il montre une fracture en split, débitage au ciseau métallique des skis sur un bloc de calcaire très compact. Alors évidemment, c'est vrai que la nature du calcaire joue un rôle dans le système de débitage. Le voici neutralisé, à gauche la partie inscrite et à droite le revers. Alors ce qu'on a aussi remarqué, ce qui est... c'est que, par exemple, celui-ci, donc, on voit bien l'impact ici, et on a remarqué qu'un certain nombre d'ostracas avaient comme une pointe, et on suppose que finalement ce sont sur des petits ostracas qui tiennent dans la paume de la main, et on suppose que peut-être cette pointe permettait de caler l'ostracone lorsque le scribe avait son texte à écrire ou le dessinateur prenait un peu de temps pour faire son dessin. C'est une chose qui est assez... Par exemple, je vais vous montrer celui-ci. Voilà, celui-ci, alors... Voilà, celui-ci, là, c'est aussi la même chose. Ça rentre tout à fait dans la paume. La partie, celle-ci,
cette partie-là rentre tout à fait dans la paume de la main. Alors ça marche pour des ostracas qui ne sont pas immenses, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est comme une feuille de papier qu'on a dans la poche. Donc comme je vous l'ai dit, pour arriver à un chiffre statistique pertinent, on a observé à l'œil nu et ou à la binoculaire 40 ostracas plus 10 qui ont été neutralisés et qui sont passés à l'imagerie 3D. Alors, on n'a pas cherché, évidemment, on a travaillé sérieusement. Les réserves du musée du Louvre ont des vitrines avec des ostracas. On n'a absolument pas choisi en fonction de ce qu'on espérait qu'ils étaient. On les a pris au fur et à mesure qu'ils venaient, pour ne pas, disons, fausser les résultats. Donc la synthèse de ces observations technologiques, c'est que 42 ostracas sur 50 sont à proprement parler débités, c'est-à-dire tirés d'un bloc de calcaire, grâce à une percussion précise et donc réalisée par l'homme. 5 seulement ostracas sont probablement naturels, c'est-à-dire ramassés en surface, mais leurs pourtours ont été aménagés systématiquement. Donc ça, c'est aussi très amusant de voir les traces d'aménagement, comme des, vous savez, comme quand on a fait de la couture, on coupe quand on est content de ce qu'on a fait pour dire que c'est fini. Eh bien là, on voit que cette ostracone est une plaquette naturelle, mais son pourtour est aménagé. Les retouches, appelées aussi aménagements, apportées au pourtour, se remarquent sur une vingtaine d'ostracas étudiés. Là, on voit bien, vous voyez, toutes les petites dents, en fait, des outils qui ont aménagé le pourtour. Ce que l'on a pu remarquer aussi, c'est que les aménagements du contour étaient toujours faits avant le traitement par le scribe ou par le dessinateur. Voilà, on offre finalement au scribe ou au dessinateur une plaquette en calcaire qui est prête à être inscrite ou dessinée. Et quelquefois, le dessinateur ne reçut pas forcément son coup, et vous voyez, la main du singe se poursuit sur la tranche. Et ça, c'est très courant, en fait. Vous pouvez regarder maintenant vos ostracas, vous verrez sur les tranches, il y a quelquefois la fin d'un doigt ou la fin d'une tête. Il faut donc imaginer que pouvait exister, dans cet important contexte socio-professionnel qu'était l'équipe de la tombe, une aire de travail, une fabrique, qui produisait des ostracas vierges après débitage de blocs choisis et régularisés selon des techniques adaptées à la qualité du calcaire. Ce travail était une des tâches dont étaient chargés les hommes possédant des ciseaux de taille de pierre. Alors là, on voit un homme au travail, par exemple, avec sa massue, son maillet et son ciseau. Les massues en bois sont au Louvre, mais les ciseaux sont chez vous. Et c'est d'ailleurs Mathilde Borla qui, il y a quelques années déjà, m'a très gentiment envoyé ces photos. Et maintenant, nous allons nous intéresser au point de vue iconographique de ces ostracas figurés. Sont-ils seulement anecdotiques? Alors, comme je suis un peu féministe, je me suis souvent énervée de voir que c'était toujours les femmes d'eux qui s'occupaient des ostracas sur les chantiers, parce que ça pouvait aller, ça pouvait être des dames, c'était pas très grave, il n'y avait pas de bêtises à faire. Pendant ce temps-là, ces messieurs s'occupaient des textes, c'était les grands savants qui s'occupaient du 7GMF. Bon, alors, il se trouve que c'est quand même étonnant, mais les ostracas figurés sont tous publiés par des femmes. Emma Bonner-Traut, Jeanne Vandier-Dabadie, Anne Gou, et puis moi-même d'ailleurs, je suis obligée de reconnaître que ça m'intéresse. Mais c'est vrai que c'est tout à fait étonnant de voir que ça a toujours été considéré comme quelque chose de pas très grave, donc ça pouvait être les dames. Bon, ça c'est mon... C'est mon côté 21e siècle. Donc je reviens surtout tout le temps sur vos chefs-d'œuvre et sur nos chefs-d'œuvre pour vous rappeler à quel point ce sont peut-être des choses anecdotiques mais quand même très intéressantes. Et on a... non, c'est un peu injuste ce que j'ai dit. Jean Capard, belge, très grand historien d'art, a écrit des choses magnifiques sur les ostracas figurés. Voilà, souvent, les égyptologues belges dans le domaine de l'histoire de l'art sont tout à fait en avance, et Capard a écrit des choses tellement justes sur les ostracas figurés qu'il faudrait le relire tout le temps quand on travaille sur ce type de matériel.
Bref, on a évidemment trouvé des catégories. Ça, ça peut être des dessins d'agrément, des scènes complètes. Ce sont des tableaux dans ces cas-là. Là, c'est une scène. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une signature. Au-dessus, il y a écrit « Fait par Ripouille ». Des dessins d'études. Des représentations réalistes de personnages. Alors ça, on peut être sûr qu'il s'agit de personnages qu'ils voyaient. Donc comme ce joueur de harpe, ce harpiste, ou ce personnage qui est un Sejamash High, qui est bon. Donc c'est aussi intéressant parce que ça donne une idée finalement sans doute assez réaliste de défauts de morphologie physique. Il y a des ostracas qui sont passionnants parce qu'ils sont bifaces, et en particulier celui-ci qui est à Leipzig, qui d'un côté est extrêmement bien réussi, et on sent que c'est un réemploi. D'un côté, c'est une adoration au bas d'amont et de Ré, et de l'autre côté, une liste de mobilier funéraire. Donc ça n'a rien à voir, mais ça montre aussi le caractère éphémère des ostracas, qui dès l'Antiquité ont servi aussi de brouillon, comme nous on prend un papier de brouillon dont une face est imprimée. Celui-ci est passionnant, parce que c'est un exercice franchement d'écriture. À droite, c'est le même ostracone recto verso. Celui à droite, c'est le modèle, c'est le cartouche d'un pharaon qui est bien célèbre ici, qui est Amenhotep Ier. Les cartouches, et sans doute de mémoire, l'élève devait répéter le cartouche pour montrer qu'il avait appris comment ça s'écrivait. Et vous remarquerez que finalement, il y a des erreurs puisque Himenhetep n'est pas écrit dans le même sens. Là, il est écrit de gauche à droite, et là, il est écrit de droite à gauche, pardon. Et là, bon, enfin, ici, il est de droite à gauche, et là, il est de gauche à droite. Mais c'était ça le modèle, et l'élève, avec un peu de maladresse, et vous voyez qu'il y a des traits rouges et des traits noirs, il y a des corrections, il s'est un peu trompé. Et là, ça, c'est pour le plaisir que je vous montre ça, puisque ça, il y a beaucoup de caricatures qui montrent le sens de l'humour et finalement l'absence de respect total pour un certain nombre de valeurs pharaoniques bien établies. C'est la souris, ça, il est à Bruxelles, la souris qui se fait éventer par un chat et qui est assis en respirant une fleur et qui va manger une volaille. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 2011, pendant le printemps arabe qui s'est déroulé au Caire, sur les murs extérieurs de l'Université américaine du Caire, il y avait, c'est extraordinaire parce que quand même, en plus, l'ostracone, il est à Bruxelles, donc il n'est pas au musée du Caire, mais sans doute des étudiants ou des jeunes un peu remontés contre le pouvoir en place ont répété cet ostracone. Disons que 4000 ans après, les jeunes dans la rue Kasrelaini ont répété cet ostracone, et avec beaucoup de talent, à vrai dire. Donc les auteurs de ces dessins sont des membres de la communauté d'artisans et d'artistes d'Erel Medina. Et le titre de dessinateur, scribe des contours, alors notre collègue qui est un grand historien de l'art, encore belge, qui s'appelle Dimitri Labouri, je ne sais pas si vous l'avez invité ici, mais c'est vraiment un esprit tout à fait éminent. Dimitri dit qu'il ne faut pas dire scribe des contours, il faut le dire scribe des formes. Il dit que Kedout, c'est la forme, et ça n'est pas que le contour. Voilà. Et je crois que Madame Noblecourt, d'ailleurs, Noblecourt l'avait dit autrefois. Mais bon, par facilité, je continue de parler de scribe des contours. Donc, il est bien connu parmi les spécialistes de la communauté. Leur travail était de décorer la tombe royale, et leur temps libre était sans doute consacré au décor de leur propre tombe. On l'a vu tout à l'heure. Alors, on a des dynasties, en particulier à Turin. On a des dynasties de Sechked, puisque c'est comme ça qu'on dit en égyptien. Là, vous avez le titre Sechked ici, et vous le retrouvez à peu près partout. Là, c'est
un monument tout à fait magnifique. Vous avez beaucoup de chance de conserver cette tuerie, ce qui est extraordinaire. Et donc, c'est une famille de scribes des formes, de scribes des contours, bien connus à Turin, mais que l'on peut compléter par des monuments qui sont au British Museum ou au Louvre. Et finalement, sur trois générations, sur quatre générations, on peut reconstituer ces dynasties de spécialistes dont le métier, dont la fonction était de faire les contours et de dessiner. Alors maintenant, nous allons nous rapprocher des ostracas de Turin, de deux ostracas de Turin, et en particulier de nous intéresser au thème très fréquent de la catégorie des ostracas qui mettent en scène des femmes avec ou sans enfants, ce que Madame Vandier d'Abadi appelait les scènes de gynécée. Alors là, pour le plaisir, je vous ai montré quelques dames au travail. Évidemment, comme je suis coquine, j'ai eu un certain plaisir à aller chercher une dame de votre papyrus érotique, maintenant dit pornographique par Pascal Vernus. Et vous voyez des femmes dans des circonstances. Elle est au travail, dans les champs, elle sème. Et là, elle est, je crois, dans la tombe qu'on a vue tout à l'heure de Neben Mahat. Elle apporte une offrande aux défunts. Alors, c'est vrai que j'ai mis en bas, mais notre collègue Lara Weiss, qui je crois est venue vous parler, a écrit « The women at Deir Medina are not well studied ». Et je suis tout à fait d'accord avec elle, malgré l'excellente étude de Toivari Vitala sur « Women at Deir Medina », qui est quand même un livre de 300 pages, ainsi que récemment, c'est Deborah Sweeney qui a écrit un article aussi sur les Women at Deir Medina. Mais il n'empêche que la raison est assez simple, c'est que c'est difficile de les étudier, puisque la plupart des choses que l'on sait des dames de Deir Medina a été écrites par les hommes. Donc finalement, on n'a qu'un point de vue qui n'est pas forcément celui des personnes qu'on aimerait bien étudier. Ça, ce que je dis, ce n'est pas dû à l'Égypte ancienne. Vous travaillez sur le Moyen-Âge occidental, ce sont les hommes qui ont écrit sur les sociétés. Ce sont pas les. C'est l'obstacle auquel tous les historiens sont confrontés quand on fait de la sociologie et qu'on essaye de comprendre les sociétés. Donc on va maintenant s'intéresser plus précisément aux ostracas avec femmes et enfants. Donc Marie-Lise Arnett, qui est une jeune égyptologue française, a beaucoup travaillé là-dessus et elle considère qu'il fallait les classer en deux groupes. Donc on va regarder rapidement ces deux groupes avant de voir les ostracas de Turin qui justement ne correspondent pas vraiment en groupe. Ils sont classés en deux groupes qui ont des motifs stéréotypés et des compositions très proches. On y voit une femme assise sur un lit ou sur un tabouret ou se tenant près du lit, allaitant un bébé ou bien tenant le bébé sur ses genoux ou le long de son corps. Et parfois, une servante peut apporter de la nourriture ou des objets, des offrandes. La scène peut se dérouler dans un pavillon décoré de liserons. La femme peut être nue ou habillée, selon les groupes, et montrer une coiffure extraordinaire. Tous ces ostracas, en tout cas, se ressemblent. Ils répondent à un répertoire codifié avec des clichés. Et ils sont considérés comme décrivant les séquences qui suivent les naissances avec une période de purification de 14 jours. On dit qu'après la naissance, la maman était mise à l'écart dans un lieu d'isolement pendant 14 jours et qu'au bout de 14 jours, elle pouvait rentrer à la maison. Ce sont les textes qui disent ça. Alors le premier groupe, le voici, vous en avez quelques exemples. Une femme nue, assise sur un tabouret, allaitant, avec une coiffure étonnante, mal identifiée en fait, mais quand même assez systématiquement mise sur la tête des femmes lorsqu'elles relèvent de couches, avec une servante, ici la servante est là ou là, qui apporte un miroir et un bâton de colle. Et vous voyez le pavillon de liseron de Convolvulus qui décrit sans doute le lieu où la femme se reposait après l'accouchement. Un autre ostracon qui est à Stockholm. Que vous identifiez peut-être avec voilà, la coiffure, le bébé sur les genoux et le grand lit. Et les pieds
du tabouret, qui cette fois-ci là est un lit, en forme du dieu Bès, qui est un des saints protecteurs des accouchements et des la petite enfance. Ici, c'est sans doute un miroir. Au musée du Caire, toujours, femme assise sur son tabouret, avec une servante peut-être noire, nubienne, une autre asiatique, ici, et là, des gens qui dansent. Là, ce sont deux fragments qu'on a retrouvés au Louvre il n'y a pas très longtemps, qui ne raccordent pas malheureusement, alors qu'on a l'impression que ce sont vraiment la même pièce. Et là, vous voyez, on est dans le deuxième groupe, puisqu'on voit le bébé sur le lit. La robe est large et plissée. La femme a une perruque, un cône d'onguent sur le haut de la tête et une fleur au front. Alors, ce sont effectivement, c'est pas le même ostracone, parce que là, il y a un bébé et là, il y a un autre bébé. Donc, ce sont deux ostracas qui, comme je vous le disais tout à l'heure, correspondent vraiment à ce répertoire tout à fait codifié et dont vous retrouvez un exemple ici. Et maintenant, nous allons voir deux ostracas du Museo Dizio qui montrent des dames. Alors, celui-ci, il est très intéressant parce que c'est un vrai cas d'étude. Qu'est-ce qu'on y voit? Alors là, vous le voyez en entier. Il est peut-être vu comme une combinaison des deux groupes. Il montre une dame sur un tabouret avec un enfant au sein. Et du second groupe, il a une robe large et plissée, une perruque, un cône d'onguent sur la tête et une fleur frontale. Le dessin est tout à fait complet. L'ostracone est complet. Et le dessin est là, vous voyez, il est installé sur une ligne horizontale qui met la scène en place. La femme est donc assise sur ce tabouret, sans coussin, et devant elle, il y a un canard qui, les ailes déployées, se tient face à elle. Ce qu'il faut relever aussi, c'est qu'il n'y a qu'une seule couleur qui est utilisée, c'est un dessin monochrome, qui utilise la couleur rouge dans des variantes tout à fait subtiles. C'est un rouge qui va du rose au presque marron. Les contours, la peau de la femme comme de l'enfant et le siège sont bien rouges, tandis que le rose léger est réservé aux plumes du canard, au pied du tabouret, aux manches de la robe, à la fleur et au cône sur la tête. L'exécution de cet ostracone est très fine, c'est un beau sujet, moi je le trouve très élégant. Et il s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'ostracone. On peut parler de tableau. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le canard. Le canard qui vient, le canard a une valeur tout à fait symbolique et une connotation érotique bien connue dans la civilisation égyptienne. C'est un symbole courant de fertilité, comme on le voit souvent sur les ostracas. Donc on pourrait imaginer que l'ostracone de Turin serait une représentation du retour à la maison de la jeune mère avec son enfant, puisqu'elle est parée, elle est habillée, elle a sa perruque, elle a sa fleur, voilà. Et on peut imaginer que c'est un retour à une vie ordinaire et à des relations sexuelles avec son mari. La présence du canard est très courante. Dans sa connotation érotique dans les documents égyptiens, visible par exemple sur les bateaux qui sont en forme de canard, ces nacelles ravissantes sur lesquelles évoluent des jeunes filles nues dans un décor de papyrus. Il faut aussi savoir que le canard, en égyptien, c'est le signe du canard, sert à dire fils ou fille. Donc c'est peut-être aussi un signe de descendance à venir. L'usage de la seule couleur rouge est courant. On la trouve sur la palette de tous les scribes de la communauté et de tous les scribes de l'Égypte ancienne. Cette ostracone, dessinée avec grâce par un scribe ou un dessinateur, reflète l'imagination, l'univers de l'un de ces hommes. C'est une chose sûre. Il y a une chose importante à remarquer sur les ostracas dont on parle avec les femmes, enfants ou pas enfants, c'est qu'il n'y a jamais de nom de personne, ni pour l'enfant, ni pour la femme. Alors que régulièrement, on a vu tout à l'heure
fait par le scribe-pouille, il y a des signatures, et puis il y a beaucoup de portraits, finalement, de personnages dont il y a le nom. On a vu celui-ci, qui s'appelle Hai, et là, celui-ci, c'est un scribe de la troupe qui s'appelle Pachener. Donc, il est courant qu'il y ait une légende avec un nom propre lorsqu'il s'agit de l'argumentation d'un personnage. Donc, on peut imaginer vraiment que ces scènes de femmes relevant de couches sont des images un peu fantasmées, beaucoup plus que d'une description d'une vie personnelle. Par exemple, un autre Strakon qui est au Louvre où il y a écrit le nom du personnage qui est Amenartha. La question du lieu de découverte est aussi importante quand on travaille sur les ostracas figurés. En fait, c'est une chose à laquelle je travaille de plus en plus maintenant. Et c'est vrai que il y a des lieux, puisqu'on sait qu'on trouve des ostracas figurés dans la vallée des Rois, dans la vallée des Reines et à Deir el-Médina, on se rend compte que dans certains de ces lieux, il y a des thèmes que l'on ne rencontre jamais. Je vous en fais la démonstration. Nos amis et collègues de Bâle, qui font des travaux magnifiques dans la vallée des Rois, je crois que Suzanne Bickel est venue vous parler, et autrefois c'était Elina Pauline Grote et Andreas Dorn comme égyptologues, font des travaux tout à fait sensationnels dans la vallée des Rois, puisqu'ils mettent au jour des campements destinés à héberger l'équipe de la tombe du roi en cours de construction pendant le temps de travail. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'ils ne retournaient pas à Deir el-Médina tous les soirs, tant s'en faut, et on a compris que ces huttes qui ont été évidemment complètement détruite lors des fouilles de la vallée des Rois à la fin du 19e siècle. Maintenant que ce sont des gens sérieux et surtout qui ont du temps et qui ne sont pas pressés, eh bien, on retrouve maintenant ces huttes que vous voyez ici, toutes ces maisons. Enfin, ce sont des sites d'habitat pour l'équipe de la tombe. Et bien sûr, ces ostracas qui ont été trouvés donc dans les années 2005-2006, ont été magnifiquement publiés par Andreas Dorn. Et sur les 500 ostracas figurés qu'il publie, aucun ne montre de motif de femme avec enfant. Et je vous ai mis, pour vous rappeler, cet ostracon qui est maintenant au musée de Louxor, pour montrer que on a trouvé beaucoup d'ostracas qui montrent des thèmes religieux, des thèmes de travail, mais en tout cas, aucun montre avec n'est figuré avec cette scène de femme avec enfant, de scène de gynécée, comme l'appelait Madame Vendier. Donc cela signifie que ce motif était réservé à un usage privé, personnel, domestique, et qui n'avait pas son lieu d'être sur le lieu de travail. Alors on peut aussi regarder où on en a trouvé à Deir el-Médina, puisque Bruyère a marqué finalement à peu près tous les ostracas qu'il a trouvés. Il mettait la date et le lieu d'origine, donc Côme Sud. Donc par exemple ici, tous ces ostracas qui ont été trouvés là, c'est Côme Sud, et là-bas c'est KGP, Côme du Grand Puy. Eh bien là on en a trouvé, alors ce sont des déblais en fait, c'était pas en place, mais on peut considérer que tant là-bas que là, ces déblais provenaient de maisons qui avaient été fouillées avant Bernard Bruyère. Et où en a-t-on trouvé ? Alors, on en a trouvé je vous montre ici, voilà, entre la vallée des Rois et la vallée et Deir el-Médina, il y a ce qu'on appelle la station du col, c'est comme ça que Bernard Bruyère a appelé ce lieu, qui est un lieu où l'on voit quelques huttes aussi. Et on ne savait pas trop, alors Bruyère l'avait d'ailleurs très justement appelé la station de repos du col de la vallée des Rois. Et bien notre collègue de Finlande, qui s'appelle Toivari Vitala, en a trouvé un. Alors il est tout à fait intéressant, il a été trouvé en 2011. C'est la mission Workman's Huts in the Theban Mountains Project. Et on y voit une femme assise sur un lit avec un décor de liseron, une robe simple, fleurs et cônes d'onguent, pas d'enfant, mais l'enfant, il est peut-être derrière, sur le lit. Et les couleurs sont le noir et le rouge.
Alors, la découverte de cet ostracone sur le site de la station de repos du col confirme finalement, c'est intéressant si on travaille sur les lieux où on a trouvé certains thèmes d'ostraca, parce que du coup, ça permet de mieux définir ces lieux de découverte. Et on ne savait pas trop ce que c'était, on a souvent eu des débats et on ne savait plus trop comment nommer cette station, mais en fait, Bruyère l'avait assez bien nommée, puisque on se rend compte que les ostracas avec femmes, finalement, n'étaient jamais sur les lieux de travail, donc ça, c'est un lieu domestique. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce site? On a trouvé des bancs sur lesquels il y avait inscrits les noms des propriétaires. On a trouvé des pions de jeu, des plateaux de jeu. Et donc, on peut considérer que c'était un lieu dédié au temps de repos, de détente, de loisirs, réservé aux hommes de l'équipe. Moi, j'appelle ça maintenant le pub de Deir el-Médina, mais peut-être que j'exagère un peu, mais c'est un lieu apparemment où les hommes de Deir el-Médina aimaient se détendre et ne plus penser au travail. Donc, cet ostracone représente peut-être un épisode de la vie privée de son auteur, mais plutôt une image stéréotypée d'un univers masculin idéal, sans doute loin de la réalité. Un autre ostracone, et j'aurai fini après, c'est très rare, avec une dame. Alors celui-ci, c'est Simon Connor qui me l'avait montré dans la réserve de votre musée lorsque j'étais passée il y a 2 ans, je crois. Et il est tout à fait rare, il est même extraordinaire. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une dame nue, le corps légèrement incliné dans une position acrobatique, les jambes relevées comme si elle nageait. Elle tient une ombelle de papyrus. Alors, c'est Simon qui a fait le dessin. On voit bien l'ombelle de papyrus. Et un canard vole devant elle, dans un paysage de marais ou de cours d'eau. Un énorme poisson tilapia nage sous son corps. La polychromie est très belle et très riche, la peau est jaune, les contours sont noirs, les cheveux et le pubis de la dame sont noirs, et on remarque des taches rouges sur les fleurs et le poisson, sur lequel on voit aussi, alors il faut me croire, mais on peut aller en réserve après si vous voulez, Christian va être d'accord. On peut voir des traces de turquoise, puisque les écailles des poissons tilapia étaient turquoises. La femme nue et le paysage aquatique qui l'entoure, poissons, canards, papyrus, laissent penser qu'il s'agit d'une gracieuse nageuse dans les marais. Le cadre noir en partie inférieure, malheureusement, n'est pas identifié. Alors malheureusement, il est incomplet, votre ostracone. Il manque beaucoup, il a été cassé un peu dans... Il lui manque beaucoup de parties... extérieur, en particulier à gauche. Mais les couleurs sont appliquées avec soin et on peut dire que ce dessin est achevé. Les caractères érotiques des animaux, canards et poissons, sont bien connus par l'iconographie et par la littérature égyptienne. Alors, je vous ai apporté la traduction d'un chant d'amour qui montre à quel point le poisson tilapia jouait un rôle important dans la vie des couples, on va dire. C'est une dame qui dit une amoureuse qui dit à celui qu'elle aime, je veux descendre dans l'eau avec toi, je veux sortir pour toi en portant un tilapia rouge qui est devant et à hauteur de son visage, qui aura un bel aspect sur mes doigts. Donc on voit bien que la capture du tilapia est une preuve d'amour. Alors, l'ostracone de Turin appartient à la catégorie érotique et porte un décor unique. On retrouve celui-ci. Et là, on voit une jeune fille nue, qui toujours dans une nacelle de peuple, dont la proue figure un canard, et même le corps aussi. Les ostracas figurés qui représentent des femmes, comme on vient de regarder quelques-uns, sont les produits des talents, des univers et des pensées et des fantasmes des hommes de Deir el-Médina sous les Ramsès, ils révèlent un monde codifié à un paysage imaginaire. Cet univers est exprimé par le dessin, tracé en des lieux bien précis par des hommes qui savaient écrire et qui exécutaient ces dessins spontanément, sans personne pour les commander.
Ils n'ont rien d'anecdotique et sont sans doute très éloignés de la réalité de leur vie quotidienne. Mais ils sont une clé unique pour entrer dans l'esprit de leur créateur, pour beaucoup de ces artistes. Alors voilà, je finis sur un tableau parfait, complet. Il faudra regarder maintenant le revers pour voir s'il y a des traces, des stigmates de taille. Et voilà, grazie. Grazie per questa magnifica esposizione, overview degli Ostrak e soprattutto dell'interpretazione di questo mondo maschile che rappresenta le donne di Idr El Medina. E ci sono domande? Lascio volentieri la parola a domande, curiosità. Bonjour. Bonjour. Une très petite question par rapport au... au pape, disons, aux huttes et cabanes dont vous nous avez parlé. Mettez votre micro plus loin, j'entends pas bien. Attends. Il est trop près de vous. Alors, comme, éloignez un comme peu ça, c'est mieux ? Beaucoup mieux. Voilà. Excusez-moi. Je vous en prie. Donc, je disais que par rapport aux huttes et cabanes dont vous avez parlé, près d'Idr El Medina, on peut penser de toute façon que là, il n'y avait que deux hommes qui logeaient, disons, quand ils travaillaient, ou on peut penser qu'il y avait même des femmes qui étaient avec... À Idr El Medina ? Oui, dans les je dis dans les cabanes, quand ils travaillaient, avant de rentrer à Idr El Medina, après huit jours de travail. Dans les cabanes, travail. Vous voulez dire dans la vallée des rois ou à Idr El Medina ? La vallée des rois, donc au col. Ah non, je ne crois pas du tout qu'il y ait des femmes. Il n'y avait que deux hommes, que de toute hommes, façon. Oui. Hommes. Là aussi, il y a aussi un problème d'alimentation en eau. Les femmes n'avaient rien à faire à Idr El Medina. Ils partaient, vous savez, on sait par les documents, en particulier les magnifiques papyrus qui sont ici à Turin, on sait que les hommes partaient pour des périodes de 10 jours et qu'ils emportaient en principe de quoi leurs outils, leur linge et leurs aliments. Il n'y avait pas des femmes qui les aidaient de quelque manière ? Non, je ne crois pas. Enfin, il y a peut-être des spécialistes de Idr El Medina ici qui peuvent prendre la parole, mais non. En tout cas, non, on a vraiment, vous savez, beaucoup de journaux, le Giornale della Tomba, et beaucoup où il n'y a pas... Il n'y a aucune trace. Moi, je vais vous dire, j'ai une autre question, en fait. Je ne suis pas sûre, finalement, quand on voit ce settlement, qui est quand même petit, je ne suis pas sûre que les familles... Toutes les familles vivaient là. En fait, c'est un peu ça la question que je me pose. Mais ça, c'est... Alors, évidemment, il y a ici le statut civil qui dit exactement le contraire de moi, et lui, il a raison. Vous savez, c'est le terrain et les documents qui ont raison, c'est pas l'égyptologue. Mais c'est vrai que, quand on voit le nombre d'enfants qu'il y avait, quand on voit, finalement, à la fin de la 20e dynastie, il y avait quand même des tombes énormes qu'il fallait construire, il fallait... abriter, héberger ses familles avec ses problèmes d'eau, avec ses problèmes de linge. Avec... Vous savez, je me souviens d'un colloque il y a longtemps où un grand spécialiste d'Idr El Medina, qui était le professeur Janssen de Leyde, il avait posé une question formidable. Il a dit, mais où mettait-on le linge à sécher à Idr El Medina ? Mais c'est pas idiot du tout de poser cette question, vous savez. C'est quand même, ça en dit long sur ce settlement, quoi. Il faut envisager de quoi on avait besoin. Il faut nourrir, il faut... Il n'y a pas de là, il n'y a pas... Enfin, moi, je me pose vraiment des questions parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'objets qui ont été trouvés dans le settlement qui rappellent ce qu'on a trouvé à Serra Bet El Khadem avec les livres de Geraldine Pinch sur les voting offerings to Hathor. On a quand même l'impression que finalement... et puis les femmes, moi j'ai été dans un jury de thèse sur un bâtiment qui s'appelle le Retem. Le Retem, on n'en a pas les traces archéologiques, mais c'était un gros bâtiment administratif où les hommes, en partant travailler au nord, là, en quittant le village au nord, ils prenaient, on va dire, leurs outils, leur linge, et puis ils recevaient leurs feuilles de service. Qui était dans l'équipe de gauche, qui était dans l'équipe de droite. C'est passionnant. Mais finalement, il n'est jamais question de femmes. Et
Or, c'était par là qu'il fallait passer pour entrer dans la ville, parce que la porte du settlement, elle était au nord, elle était là. Donc le Reten, il faut le chercher par là. Peut-être qu'on va le trouver, mais le temple a quand même beaucoup modifié les structures à Messie, donc on n'est pas sûr de jamais y arriver. Mais disons que c'est quand même... Moi, je me souviens d'avoir posé cette question à notre collègue qui avait fait sa thèse. Je lui ai dit, mais où sont les femmes? Et tout le monde a dit, ah oui, au fond, c'est vrai. Merci. Donc c'est des questions, c'est des énigmes. Hein. Oui. Moi, je n'ai pas la réponse, hein. Mais je me pose beaucoup de questions. Et puis, je veux dire, c'est vrai que... On est loin, même si le fleuve, le Nil, son cours a évolué, on n'est pas tellement sûr qu'il était plus près. Bon, c'est vrai que pendant la crue, on avait l'eau pas très loin. Mais enfin, la crue, ça ne durait pas éternellement. Hein. Voilà, c'est des questions. Moi, je n'ai pas de réponse. Hein. Okay. Merci beaucoup, de toute façon. Ah. Merci Guimet pour cet exposé charmant et intéressant. Deux choses. La première, c'est que c'est vrai que c'est toujours des égyptologues femmes qui se sont occupées en prévalence. Sauf Kappa, qui avait beaucoup d'enfants. Voilà. Mais je voudrais dire là, pour nuancer un peu cet aspect machiste de l'égyptologie, que c'est les femmes qui se sont occupées de ces ostracas. Elles avaient quand même, en partie, choisi de le faire. Bien sûr. Elles étaient contentes aussi. J'apprécie que tu défends tes collègues, mais d'ailleurs... et ça, une chose. Alors là, c'était juste... Mais sinon, alors, les deux lots importants de derrière le Médinet, justement, le musée de Turin, le musée de Louvre. Alors après, il y a un troisième lot que j'ai eu la fortune de connaître, que c'est entreposé dans les caveaux de l'IFAO, que j'ai entrevu quand j'étais pensionnaire là-bas, mais je n'ai vu aucun de ces ostracas paraître dans l'exposé. C'est parce qu'il n'y en a pas de ce type, ou bien il y en a et ils ne sont pas étudiés. Merci beaucoup. Non, je crois qu'il y en a un où j'ai écrit catalogue des... je vais te répondre autant que je peux le faire. Il y a pas mal d'ostracas figurés encore à l'IFAO. Mais je ne les ai pas du tout négligés. Simplement, ils ont été publiés par Madame Vandier, donc souvent en noir et blanc. J'ai pas d'image en couleur, si tu veux, pour la plupart. Moi-même, je les ai vus... Mais à l'époque, je ne travaillais pas dessus, donc je n'ai pas photographié. Je pourrais commander des photos, mais c'est vrai qu'il y en a. Et puis surtout, il y en a au Caire. Il y en a. J'ai montré les animaux, là, mais c'est formidable. Mais justement, ce qui est très intéressant, parce que moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est les lieux de découverte. Parce qu'au musée du Caire, ils viennent essentiellement de la vallée des Rois. C'était les fouilles, les grandes découvertes de Loret, etc. Et là, ils ont dû en trouver pas mal. Ils sont arrivés au Caire. Donc, il y a écrit en général le tombe de Séti Ier. Enfin, il y a quand même des références. Mais c'est extraordinaire de voir les thèmes que tu vois là-bas. Par exemple, tu vois beaucoup ce qu'Agnès Cabrol a étudié, qui est sur le mouflon d'Amonré, c'est-à-dire le mouflon, peut-être vous ne savez pas ce que c'est en italien, c'est un bélier donc il y a beaucoup d'ostracas où tu as des mouflons d'Amon. Or, à Deir el-Médina même, m'affiche, il n'y a pas. C'est marrant, hein. Donc ça veut dire que ça permet vraiment d'imaginer aussi l'univers, aussi, on va dire, le mental quotidien des hommes qui faisaient ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a de loi et il n'y a pas un ostracon, alors que loi d'Amon, je viens de travailler dessus, loi d'Amon, il n'y a pas du tout d'ostraca qui les montre. Tu as toujours des statues ou des personnages avec. Mais c'est vraiment étonnant, tu vois. C'est comme ça qu'il faut travailler maintenant, en dehors du fait que je peux quand même vous dire que dans notre salle, il y a un géomorphologue, un collègue qui, lui, maintenant, que j'ai rencontré cette année à Gourna, il travaillait avec nos amis belges, Laurent Bavé et Dimitri Labouri, et c'est vrai que je crois qu'il considère qu'on peut caractériser le calcaire de la Vallée des Rois et le calcaire de Deir el-Médina.
Donc, c'est-à-dire que ça aussi, ça peut être très utile pour nous qui avons des collections qui sont, par exemple, les Drovetti, il y a quand même beaucoup d'ostraca. Et bien, grâce au travail de Christian, on peut peut-être avoir une idée du lieu de provenance. Mais moi, je crois quand même que chez Drovetti, c'est beaucoup d'Al Medina. C'est évident, parce que c'est très homogène, finalement, c'est très cohérent. Simplement, là aussi, on attend de mieux savoir d'où ça vient, quoi. Mais c'est impossible, c'est très difficile, quoi. Mais c'est vrai que ça avance, quoi. C'est vrai que là, maintenant, c'est bien de faire se croiser, finalement, tous ces yeux, y compris... Moi, je suis quand même très copine avec Pierre Grandet, qui n'aime que lire le hiératique sur les ostracas, donc on arrive à se parler, hein. Mais quand je lui efface les ostracas, il lève les yeux au ciel en disant « Pauvre Guillemette, tu perds ton temps. » Mais on s'amuse. Ringraziamo ancora la professoressa Andrea per questa bellissima conferenza. Grazie a tutti e buonasera. Yeah, you want me to